mon gentil duo me l'a offert, il est très très gentil. Oh, mais c'est vraiment... Bah, je te remercie, j'ai le droit, non? Attends, comment on fait pour sortir d'ici? On va essayer de sortir d'ici. J'aime beaucoup ce jeu, je le remercie énormément. Oh, mais... mais jamais quoi ça. Remercie. Si, Pregnantia. Pense que les myriades et les netras sont à égale puissance en ce moment. Espère vous revoir bientôt. Se félicite d'avoir quelqu'un comme vous à ses côtés, partageant à la fois sa génétique et son karma au sein des myriades. Ne serait pas étonné de vous revoir. Nous, on est contents d'être chez Star. Très contente. Tu me dis, je parlerai pour tout. Oh non. Il tombe. C'est vrai, il sait pas nager. Oh, regarde, il est mouillé. Oh, par contre, ça, c'est génial d'avoir fait ça. Regarde, tu t'appuies ses oreilles, il revient. Ah, oh, c'est génial d'avoir fait ça par contre, que ces oreilles reviennent trop près. Ça c'est cool. Je vous dis qu'il fallait pas manger. Ah ouais, parce qu'elles étaient un petit peu mouillées. C'est génial d'avoir fait le truc des mouillés là, qui était mouillé. Traverser la grotte. Ah non. Oh, j'aime pas ce qu'ils ont fait là-bas. Voyons voir. C'est où la grotte? C'est joli quand même, comme petit jeu. C'est joli. Oula. Je traverse la grotte, c'est ça. C'est quand même joli, on peut quand même. Ils ont fait tout. Les graphismes sont pas trop mal, frère. Moi, j'aime bien. Merci. Visitez votre village d'enfance. Oh, on va visiter notre village d'enfance. C'est sympa ça. Faites attention, il y a un mamp là-bas. Ils ont été durement touchés par l'évolution, surtout les bancals, déformés et sans fourrure. Merci. Oh, mince. Oh, là, tu es déconnecté. Vous êtes déjà à bout. Un repli serait peut-être une bonne idée.
gadget facile. Gardez ça sous le coude. Mais non, ça passe partout. Attends, Max. Ah, mais du coup, attendez-vous. 10 enfants. Vous êtes plus costaud. Le temps n'a pas de prise sur cet endroit, et vous ressentez comme une sorte de picotement. Il y a quelque chose de spécial ici, une force d'attraction. Voyons voir. Avec le temps, les souvenirs s'effacent. Et parfois, les sentiments changent. Il ne s'agit pas de savoir qui vous étiez, mais qui vous allez devenir. Cette histoire est loin d'être terminée. Ah, d'accord. Tu fais pas de live, toi ? Des échos d'un passé long révolu, comme des chuchotements dans le vent. Flashback. Voilà une personne pour laquelle chaque journée est un nouveau départ. Qui vous demande comment vous allez aujourd'hui? Je peux pas me plaindre, pas top, beaucoup mieux depuis que tu m'as demandé. Non, je n'ai pas. Glop dit qu'il se sent toujours mieux quand il tourne le dos à ses échecs. Il se réjouit que sa bonne humeur soit contagieuse. Il se demande ce que vous avez fabriqué. Et il espère que vous avez été au lac pour vous entraîner à nager. Apprendre à nager peut être effrayant quand on ne sait pas comment faire. Heureusement qu'il est là pour vous aider. Il pense que vous devriez savoir nager depuis longtemps. Et il en sera honoré. Comment il va m'apprendre à nager? Je vais pouvoir nager? Tourne-toi. Oh, la violence. Nouvelle quête. Vous pouvez nager dans la plupart des eaux lorsque vous vous trouvez en eau très profonde. Vous perdez peu à peu de la ki d'énergie. Lorsque cette dernière s'épuise, vous vous noyez. Nager jusqu'au bloc. Il dit que ce n'était pas si difficile, finalement. Moi, j'ai appris comment ne pas nager. J'ai failli nager. Je dois continuer. Voilà, c'est l'esprit. Ne laissez pas le bruit des vagues faire sombrer votre esprit. Mais il va falloir sacrément vous entraîner. Bien heureux sont ceux qui ne cessent jamais d'essayer. Il espère que vous en ferez partie. Vous devez passer plus de temps dans la saline. C'est la seule façon d'apprendre à nager. On n'en fait jamais trop. Vu le regard que vous lance votre moment,
On dirait que vous avez oublié quelque chose. Vous aviez promis que vous vous entraîneriez avec elle avant le coucher du soleil. Il est temps de vous y rendre. Ma maman, qu'est-ce que elle est jolie, ma maman. Vous savez bien qu'on ne rattrape pas le temps perdu. Vous devriez savoir que la perfection n'est atteignable que par la répétition. Vous allez devoir continuer à vous exercer si vous voulez vous améliorer. Elle vous retrouvera sur la place du village. Elle dit que c'est une bonne chose. Quand on aime apprendre, on ne cesse jamais de grandir. Vous entraînez avec votre maman. Voilà un autre museau familier. Il a l'air préoccupé. Demande comment vous allez aujourd'hui. Quand il crée des choses, il tient à ce que ce soit utile. Espérez que vous pourriez l'aider à récupérer du matos pour un truc bidule sur lequel il travaille. Il est ravi d'entendre quelqu'un de la nouvelle génération dire ça. Préserver l'environnement, c'est dans votre propre intérêt. Vous devriez chercher des objets recyclables. Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps. Ah oui, valorisation des déchets. Faut ramasser les déchets. Couiller des piles d'ordures. Moi, je voulais m'entraîner avec maman. Elle est où, ma maman? Il se demande si vous avez trouvé quelque chose d'utile. Parfois, c'est un expert. Et d'autres fois, il fait ce qui lui semble juste. Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi. Et vous demande si vous savez recycler. Ah, il va m'apprendre à faire des armes, à mon avis. Rares sont ceux qui acceptent de faire ces petits gestes. Mais plein de petits gestes mis bout à bout, ça peut avoir un gros impact. Il adorerait vous apprendre à recycler. Le récup que vous avez trouvé ferait un bon début. Ah, voilà. Intro d'artisanat. Bienvenue dans le milieu d'artisanat. Vous permet de modifier les armes et armures existantes, ou si vous vous sentez d'humeur créative, d'en fabriquer de nouvelles. Si vous possédez des bons composants, vous pouvez fabriquer votre propre arme. Pour commencer, oh waouh, ça va être chaud. Il y a 200 millions de combinaisons là. Waouh. Ah ouais. Pour commencer la fabrication de votre arme, sélectionnez tout d'abord la base. Cela termine le type d'arme que vous allez fabriquer. Il existe 3 sortes d'armes. De corps à corps, contondante, tranchante à une main ou tranchante à deux mains. Préférable passé. C'est quoi ça? Pour continuer à fabriquer votre arme, c'est un emplacement de la poignée. Oh, je sais faire. Ah oui, d'accord, sélectionnez la poignée de votre choix pour pouvoir fabriquer votre tuyau. Une clé à tube. Est-ce que tu vas en boîtier là-dedans? Ouais. Non mais tu vas à droite et tu peux commencer.
C'est du beau boulot. Mais il se demande pourquoi vous avez décidé de fabriquer une arme. Pour ma maman. Il pense que votre prévenance vous aidera à atteindre la paix intérieure. C'est pour ma maman. C'est un cadeau d'anniversaire pour ma maman. Il comprend, mais espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt. Il pense que maîtriser les 6 styles d'armes du Wong Fu est déjà très ambitieux. Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite. Vous semblez avoir un don pour ça. Déjà, on peut fabriquer. On dirait qu'elle commence à perdre patience. Vous savez qu'elle n'aime pas attendre. Elle vous attend de ce pas sur la place du village. Dans ce cas, vous avez une bonne excuse. Vous prenez la responsabilité d'empêcher qu'on saccage la nature et l'environnement. Voilà votre destinée. Elle veut que vous grandissiez et que vous commenciez à penser par vous-même. Vous devez vraiment découvrir qui vous êtes avant son départ. Pourquoi tu vas partir ton départ? Elle n'est pas éternelle, vous le savez. Mais elle compte elle bien profiter de chaque instant, surtout lorsqu'elle est à vos côtés. Vous avez toujours suivi votre propre voie, mais cette fois, elle a besoin que vous suiviez la sienne. Je te suivrai toujours. Dans ce cas, rejoignez-la sur la place du village et commencez par là. Elle sait que vous êtes un esprit libre, toujours en mouvement, tel le vent. Attention, ils n'ont pas l'air de plaisanter. Maman, il y a des gens méchants. Il vous dit de vous arrêter et vous demande où vous allez comme ça. Je ne cherche pas dans le monde. Il se demande donc pourquoi vous cherchez ici. Ils ne vous laisseront jamais passer. Ils vous demandent pour qui vous vous prenez. Vaut mieux être une personne que quelqu'un comme toi. Personne n'a besoin de ton monsieur, pourquoi est-ce que tu pousses les autres? Ah, je sais. De quoi? Mais non, j'ai envie de répondre. Vaut mieux être une personne que quelqu'un comme toi. Hein. J'ai envie de répondre. Mais je vais me faire buter. Attends, juste pour voir ce que ça fait. Non, c'est pas gentil. Ah, il dit que vous avez raison. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire, y compris vous. Oh non, il m'a poussé. Vaincre les défis. Oulala, 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 oulala. Oh, mais j'ai qu'une arme au corps à corps. Je suis nul au corps. Se demande si vous souffrez. Que s'est-il passé? Ils sont jaloux parce que je t'ai dans ma vie. Il manque de confiance. Je veux dire ça, ils sont jaloux parce que je t'ai dans ma vie. Elle est là pour tous ses disciples. C'est son devoir en tant que Sifu. Et quand elle a besoin d'eux, ils l'aident et s'entraident. Le plus important, c'est que vous alliez bien. Il est temps de vous concentrer sur votre entraînement à présent. Elle vous l'a déjà dit, le Wong Fu permet de garder un corps sain. C'est ainsi qu'on peut ensuite cultiver son esprit et le maintenir éveillé. Maman a dit qu'elle est pas en entraînement, maintenant.
perdu mon épée. J'avais fabriqué tout. Voilà quelqu'un qui vous est très cher, en train de faire ce qu'il sait faire de mieux. Vous voir fait toujours grimper un sourire au visage de Popsy. Il veut savoir comment vous vous sentez. C'est Popo. T'as vu les roses aussi, Popo? Quelque chose ne va pas, papa. Il sait que grandir est difficile. Et les choses empireront alors même que vous vieillirez et découvrirez comment les réparer. Il demande si vous pourriez l'aider aussi avant d'aller vous entraîner. Si tu le dis à maman. Bien sûr, il lui parlera. Mais vous savez qu'elle veut que vous preniez la responsabilité de vos actes et de votre futur. Il vous conseille d'y aller et de lui trouver des idées et des gadgets pour transcycler de vieux tissus. C'est Popo. Faut que j'aide Popo. C'est Popo. Viens, je t'aide, Popo. Pourquoi c'est un gros dur? Mon Popo a un à moi. Ils sont tous roses en plus. Il est curieux de voir ce que vous avez trouvé. Il est carrément pour le renouvellement et a même pensé partir au loin pour trouver une flaque de bio-noyaux pour rafraîchir son ADN. Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi et vous demande si vous savez transcycler. Papa Zulu. Certains le sont, certains moins. Un truc est vraiment sûr. Votre maman pense que ça prend bien trop de place dans la maison. Il dit qu'il est grand temps d'apprendre et vous propose de vous enseigner en commençant avec le récup que vous avez trouvé. Ah ouais, fabriquer... Ah, je peux fabriquer des vêtements. Le style est peut-être un peu trop sombre pour lui, mais ça vous donne un côté tendance. J'ai fait quelque chose dans ma maman, il sait qu'elle est déjà fière de vous et de tout ce que vous avez fait. Vous devriez prendre ça pour vous entraîner. Pourquoi? Je le montrerai à ma maman. Il pense que vous devriez. Elle sera fière de vous. Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite. Vous semblez avoir un don pour ça. C'est un peu redondant, hein. Il m'avait dit la même chose, le gars. Désolé, Popo, mais t'es un peu redondant. Il m'avait dit la même chose. Est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner avec Momo? Ah oui, Momo, elle est en train de s'entraîner. Ah ouais, elle fait du yoga là. C'est vrai. Yoga, 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 yoga. Andro? Votre maman vous dit qu'il était temps que vous arriviez. Mieux vaut tard que jamais, j'ai du mal à me rentrer. Mieux vaut tard que jamais. Dis que ce serait encore mieux si vous étiez à l'heure. Andro? Elle dit qu'elle a hâte de commencer et qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant le coucher du soleil. Taifanam, Noma? Anaro lote.
Il reste toutefois assez de temps pour s'exercer, et vous en avez besoin. Les mannequins d'entraînement ne rendent pas les coups. C'est la bonne attitude, tant que vous continuez à apprendre. Oh, c'est beau. Mais par contre, on a l'air tout petit. Oh non, on est tout petit. Votre maman vous dit que vous avez bien progressé aujourd'hui. Elle est si fière de vous. Merci, maman. Vous remercie d'avoir été un aussi bon disciple. Un cadeau vous attend, préparé avec l'aide de Gizmo et de Wiz. Vous devriez aller voir ce dont il s'agit. Vous l'avez bien mérité. Comme c'est gentil de leur part. Antoro dit qu'il a toujours eu beaucoup d'estime pour vous, tout comme elle. Merci, maman. La bonne étoile. C'est mignon. Ah, c'est ça, mon cœur. Les chaînes de Dromède. Votre maman dit qu'elle n'a jamais vu un appareil aussi vert que ce petit machin. C'est merveilleux. Le découvrir fait partie du jeu. Ce genre d'électromatos dispose d'une technologie de l'ancien monde, ce qui en fait un puissant appareil de communication. Cela s'appelle un automate. Et il est relié à votre ADN. Il vous suivra où que vous alliez et verra tout ce que vous verrez. Je serai donc sous surveillance. Vous devriez voir cela comme une manière de vous protéger lorsqu'elle n'est pas là. En fait, elle me surveille à 24. Votre maman vous dit que vous avez l'air épuisé et que c'est tout à fait normal. La journée a été longue. Elle se réjouit de voir que vous en avez profité au maximum. Oui, maman. Reposez-vous et vous trouverez assez de force pour demain. Oh, c'est mignon. Oh, c'est ma maman. C'est mignon. C'est mignon. Rien ne pouvait empêcher Lupin Lupin de mettre le feu au monde. Votre moment vous enjoint d'ouvrir la voie. Une branche brûlée apprend à redouter le feu. Encore un dernier éclat et vous y arriverez. Votre maman vous dit que ça y est, le temps est venu. Elle doit affronter Lupin Lupin. Il n'y a plus d'échappatoire cette fois-ci. Elle l'entend approcher. Impossible de fuir cette fois. Il est temps de se battre. Quoi qu'il arrive, vous devez vous souvenir qu'elle vous aime. Et que tout ce qu'elle a fait, c'est pour vous protéger, vous, votre papa. Et les gens qui l'ont élu pour les diriger. Elle vous dit de rester hors de tout cela, qu'il s'agit de son combat, et que vous n'avez pas à vous en mêler. Le destin a fini par la rattraper. Elle apprécie votre courage,
mais elle ne peut se permettre de s'inquiéter tandis qu'elle se bat. C'est son combat. Le voilà, le passé qui vient hanter le présent. Ma maman elle m'a appris le kung fu. Ta main là. Tiens, touche pas ma maman. Tiens, prends ça. Tiens, tu fuis, hein. Vous devez passer par le feu et l'eau pour y arriver. Votre maman dit que si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Là où elle va, vous irez. Les liens du sang sont plus forts. Vous êtes en plein dans la saline. Ne faites pas de vagues. La saline va où elle veut. Laissez-vous porter par son courant et elle vous ramènera sur le rivage. La mort n'est pas redoutée par celui qui a vécu avec un cœur pur. Une partie d'elle vit en vous. La créature a encore faim, et plus rien ni personne ne se dressera sur son chemin. Si un sacrifice est fait pour autrui, il n'est pas perdu, mais transmis. La vie doit suivre son cours. Les vrais sacrifices sont faits par amour et nécessité, lorsque toutes les autres options sont épuisées. L'ultime épreuve de conscience est la volonté de tout abandonner pour sauver ce qui est vraiment important. Ce que vous faites pour vous-même meurt avec vous. Ce que vous faites pour les autres reste et vous rend immortel dans leurs souvenirs. J'ai perdu mes deux parents en deux secondes. Tandis que le moment passe et se perd, seule la solitude demeure. Ce qui ne signifie pas que vous oublierez votre passé, mais simplement qu'il est temps de tourner la page. Ma maman est morte. Mon papa aussi. Maman, papa. C'est bien, vous appelez papa et maman. En plus, je trouve qu'on va le recroiser, à mon avis. Fabriquer des armes et modifier le dragon. Ah oui, c'est vrai que maintenant, je peux fabriquer des armes, du coup. Rendez-vous dans l'onglet artisanat. Fabriquer. Je peux l'enlever tous ses vêtements si je veux. Ah, regarde. Attends. Regarde, je peux le mettre à poil.
Il est à poil, mon truc. Oh non. Bon, on va te rééquiper, t'inquiète pas. Voilà. T'es mieux. Les vêtements vous rendent pas nu. Les vêtements vous rendent pas nu. D'accord, c'est gentil de... Non, j'ai pas envie d'en citer un truc. Mais j'ai rien du tout pour provoquer. Tu peux rien faire? Salut Jérémy, il est bien ce jeu? Oui, moi j'aime beaucoup. Je peux rien fabriquer. J'ai pas assez d'équipement. Rien. Rien, je regardais ce qu'il y avait. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. La tribu a attrapé un gros toudou. Attention, gros toudou. Son nom est trompeur. Son nom est trompeur. Comment tu veux rester sérieux avec ce jeu? Ils l'ont appelé gros toudou. Il a réussi à s'échapper. Gros toudou en liberté. Attention. Oh non. Impossible avec vos réserves actuelles de ki énergie. Vous ne leur avez pas laissé d'autre choix que de la battre, alors qu'ils avaient prévu d'emmener le gros toudou très loin, à Luxudru, pour le relâcher. A entendu dire qu'un renin avait rejoint leur rang, et avait hâte de faire votre connaissance. Un groupe de croisés des myriades s'est déjà rendu à l'avant-poste Murkadorpus des Jagni. Ils vous y attendent. Vous devriez vous y rendre sans attendre
et les aider avec l'avant-poste. Pas vraiment. C'est à l'ouest de Brickville. On peut voir le parc Hachou de Gizmo depuis la colline. Ok. Niveau 4. Le narrateur est parfois trop d'humour. Non, moi j'aime bien son humour. Non, franchement, moi j'aime bien. Franchement, ça change. Moi j'aime bien. Trop d'humour, moi ça. Moi j'aime bien son humour. Ou alors c'est moi qui ai un humour de merde. Mais moi j'aime bien. Justement. Non, moi ça me déteste pas tant que ça. On va mettre en vitalité peut-être. Ah, voilà qui est mieux. Le cheval est prise du cobra de tête. Compagnon, je te fais ce grand pour mener un de chaque main. Je fais ça chaque ennemi, touché, rempli une icône super en tout. C'est ça là que j'ai. Ah oh, mais j'ai pas de terme maintenant. Ah, je peux modifier les gants. Le narrateur a l'impression du jeu. Bah, franchement, c'est sympa. Franchement, moi j'aime bien. Enfin, surtout les graphismes et tout qu'ils ont fait. Franchement, pour moi, il est pas trop mal hein, comme jeu. Après, j'ai vu que sur Steam, il avait dit qu'il y avait beaucoup de bugs, apparemment. Mais franchement, ouais, il y a souvent des gens qui se plaignent du narrateur, mais moi il me dérange pas plus que ça. Mais en plus, on peut l'enlever, ouais, le narrateur, on peut l'enlever. Les combats, je sais pas. Les combats, moi j'aime bien parce que ça rappelle un peu Super Smash Bros où tu dois faire des combats et t'es tous et tout ça. Moi, franchement, j'aime bien. Hein. Ça change vraiment, ça fait un nouveau un petit peu. Ça change des autres jeux, quoi. C'est pas répétitif comme. Bah oui, après il n'y avait pas beaucoup de monde donc ils n'ont pas eu le temps de faire grand chose, mais franchement il y a une histoire assez belle, franchement. Le fait que bah, nous on est partis, que du coup il n'y a que des radiations, c'est des mutants et tout ça, l'histoire elle est vraiment belle et elle peut peut-être se passer un jour, hein, qui sait. Franchement, les animaux qui muent et tout ça, et le fait qu'on puisse personnaliser notre personnage, c'est déjà. Il n'y a pas non plus grand. Enfin, on peut faire quand même pas mal de choses quand on peut vraiment changer son personnage comme on le souhaite, quoi. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu, quoi. Que souvent dans les jeux d'exploration comme Horizon par exemple, tu peux pas choisir ton propre personnage, tu peux pas le faire à ta façon. Souvent dans les jeux d'exploration, t'as un personnage qui est dans l'histoire. Là, tu peux vraiment te personnaliser ton personnage comme tu veux, quoi. Et ça change l'histoire du coup. Ses parents, du coup, bah, ils ont l'apparence de toi, quoi. C'est ça qui est cool. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et le narrateur, pour moi, me gêne pas plus que ça comparé à. Ça fait bizarre. Mais. On s'y habitue vite en vrai. En vrai, c'est drôle, je trouve. Il est drôle. Moi, j'aime bien. Regardez! Une vitrine d'urgence du temps jadis. Quand il fallait savoir taper du poing pour survivre.
Ah non, c'est avec les trucs. Oh, ce cogneur doit avoir un sacré punch. Oulalalala. Métal au point, l'ancien monde. Vous avez trouvé. Cet outil est tellement puissant qu'il est capable d'abattre un mur en direct. D'accord. Ouais, à mon avis, ouais. Mélo fracasser le mur. Surtout la façon de courir, moi, qu'ils ont fait. Moi, j'adore ça. Franchement, non, mais c'est sympa comme jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Oula, pardon. Excusez-moi. T'as plus beaucoup de batterie ? Si, mais c'est juste que moi j'appuie sur la touche. On défonce un mur. D'accord, ok. Donc c'est celui-là, je crois. Ok. Là, je vois rien ici. Vas-y, il faut que tu recharges ce mur-là. Charge. Mais j'ai fait triangle. Attends. Bah j'ai tapé sur triangle. Non, tu touches pas. En plus, tu crois pas que je suis en train de faire frire. Je mets. Ah, j'ai pas besoin en fait quoi que tu mets sur le terrain. Ok, d'accord, j'ai compris. Faut pas appuyer longtemps sur le carré. Ok, d'accord. Ouais, je peux changer. Hop, là, je l'ai compris. Ces tunnels résonnent encore des échos du passé. Vous les entendez ? Votre super bon fou pour ce faire, appuyez sur L1 et L1. Ouais, mais je peux pas regarder. Une fois le super bon activé, vous pouvez effectuer différentes attaques plus puissantes. Mais il n'est pas utilisé qu'à ça. Démolition.
Votre flamme vacille. Vous avez passé une nuit blanche ? Ça fait moins mal. Là, je peux chercher des détritus. Oh, c'est votre taille. Ce panneau d'affichage, couvert des derniers désirs des gens d'avant. Vous approchez d'une de ces vieilles briques villes de Toxanol. Ouvrez l'œil. Toxanol a sorti cet endroit de terre et l'a jeté dès qu'il ne lui était plus utile. Toxanol ne s'est jamais préoccupé de ce qu'il jetait, tant qu'il n'avait pas à payer pour nettoyer. Il doit y avoir une voie quelque part dans cette brique ville. J'espère juste qu'elle n'est pas enterrée. Ok. Panneau d'affichage trouvé 1 sur 15. Donc il y a plein de panneaux de quête annexe terminée automate. Ouvrez la. Pour recevoir les affiches de jeu. Séquence de touche. Ça, c'est celle que je faisais. Ouais, c'est ça, j'aime bien les séquences de touche. Faut faire des séquences de touche pour. Beaucoup. D'accord, pourquoi pas. Très, très joli, très joli. Le jeu quand même très surprenant, peut-être un truc qui est charmant, beaucoup positif.
Ok. Ouais, enfin, moi j'aime bien. Ça change. Ça change. Il y a... On peut vraiment personnaliser son personnage. C'est vrai qu'il est comme ça, mais... On peut personnaliser son personnage comme ça. Il y a quand même pas mal de tenues. On peut faire vraiment des armes vraiment... Il y a quand même plus de... Beaucoup de combinaisons, je pense. Ouais, donc chacun peut faire sa propre arme, on va dire. Ouais. En vrai, ça doit être sympa. Ouais, ils auraient peut-être dû mettre un mode peut-être multijoueur, peut-être, je sais pas si. Ça aurait été pas mal, ouais. Peut-être plus tard. Vous avez trouvé la futaie égarée, dans un la plus ou... profonde et sombre forêt du pays. Parfois, on a du mal à y voir avec tous ces arbres. Après, c'est normal, les jeux d'exploration, c'est pas forcément multijoueur. Hein. Regarde Horizon, il est pas multijoueur, je crois. Bonne santé. Peut-être la souffrance d'un narrateur parfois c'est des merveilles. Comptez, compte un livre, compte plutôt. Moi j'ai du mal à lire là. J'ai du mal à comprendre. Attends, compte plutôt. Ouais, c'est original, c'est rare qu'un jeu. Ouais, on peut dire que c'est original, c'est rare qu'un jeu fasse. En général, t'as toujours le même principe niveau jeu d'exploration quoi. T'as un jeu d'exploration, t'as des personnages qui te parlent et puis voilà quoi. Enfin. T'as pas de personnalisation ni rien quoi. Enfin si tu peux changer d'arme etc mais... Alors que là ça change quoi. Déjà tu découvres un jeu avec un narrateur. Donc c'est plutôt pas trop mal. Après je sais qu'il y en a qui disent que du coup c'est on n'est pas assez dans l'histoire. Mais moi je trouve que si. Enfin c'est comme si on regardait un film quoi. Donc c'est pas trop mal. Moi j'aime bien. Ouais moi j'aime bien. C'est un avant-poste de la tribu Jagni. Ouais, peut-être qu'ils auraient dû faire peut-être un narrateur qui brise un peu plus le quatrième mur, quoi. Genre qui nous parle à nous et peut-être pas au personnage. Ça aurait été drôle. Enfin voilà, j'ai pas vu tous les dialogues du narrateur. Parce qu'en plus, je peux le mettre encore plus puissant, le narrateur, ce jeu. Qui parle tout le temps, quoi. C'est drôle, quoi. Mais on peut aussi l'enlever pour que ça agace. Mais... Encore il serait permanent et obligatoire, mais bon, on peut l'enlever. Donc. Ça, j'ai mis enlevé. Oh, c'est mignon. Ah, ouais, c'est mignon. Ce sera bientôt terminé. Vous, crochet! Oh oui.
Dit qu'il était temps que vous réalisiez que vous ne pouviez plus éviter d'aider les gens. Oh, c'est beau. J'aime bien la très drôle. Victoire par chaos. Ah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus haut. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Voilà, c'est ça. Bien joué. En fait, ils ont repris leur cours du temps, mais ils se sont fait kidnapper tout ça. Ils s'en foutent. Toi, tu pêches ? Un bateau. Ça ne me parle. Le sommet. Ils sont en train de danser dans les cadavres. Génial. Je vous laisse, hein. Ciao. Il y a quelque chose ici. Vous avez trouvé un conteneur biocontaminé. Récupérez les biolampes et utilisez-les pour débloquer des mutations dans les menus ou modifier votre apparence dans les bioflacs. Ah oui, on peut changer. Ah ouais, on peut changer. Ah, ça c'est cool qu'on puisse changer. Je regarde ça. Tiens. Normalement, je dois pas cliquer là, mais. Ah, il y a un point d'amélioration. Vous vous sentez plus rapide. Bio.g. Dans mutation, peut-être. Ah, oui, d'accord, je peux acheter des. Lorsque vous faites face à un ennemi. Ok. Point psychique. Ah oui, d'accord, ok. Anti-radiation, anti... Ok. Yo. Volume radioactif. Ça a l'air pas mal, hein. Ça, ça va être quand j'aurai des armes. Pour l'instant, j'en ai pas. Fabriquer une nouvelle arme. Ah, impossible de fabriquer une nouvelle. Tu vois, il me faut une base d'armes. Et j'en ai pas pour l'instant. Ouais. Mais c'est bien ça, tu découvres un peu des trucs. C'est pas mal. Attends, il y a le journal aussi, ça se trouve, il a écrit des choses. Ouais, regardez les journaux des. Journal. Le journal renferme des informations sur votre quête ainsi que sur les dialogues et les 17 présents. D'accord. Le rouge symbolise le danger. D'accord, ok.
Timber. Je pense qu'un gros boom le mettra par terre. Extinction des feux. Une chute de tonneau. Tapez là pour faire sortir un tonneau. Puis tapez dessus pour le faire aller vers la porte et faites-le exploser. Ça a l'air détonnant. Tirez dessus et admirez l'explosion, mais pas trop près. Kaboum ! C'est ça ! On y est presque. L'avant-poste appartient désormais à votre tribu. Il dit que vous les avez affaiblis, mais ils ne baisseront pas les bras. Votre Sifu vous remercie. Votre tribu gagne en puissance. Chaque tribu possède une arme qui lui est propre. Si vous triomphez d'une tribu rivale, vous prendrez possession de son arme, tout comme vous l'avez fait en aidant la vôtre. Vous êtes désormais allié avec une tribu. Vous pouvez décider de changer d'allégeance et de vous faire allier à une tribu différente. Allez au fort de la tribu et parlez à leur chef pour changer votre allégeance. Ah, on peut changer comme ça. Dis que vous avez fait du beau travail en capturant l'avant-poste. Vous avez gagné le privilège de porter l'arme de la tribu. Suppose que l'honneur revient également à la tribu. Le fossile dit qu'il fait de son mieux pour se tenir au courant. S'il a bien suivi, il semblerait que vous avez fait des progrès en ce qui concerne le conflit tribal. Il dit qu'il pressentait que vous vous entendriez avec la tribu Myriade. Mais qui sait ce que l'avenir réserve à votre alliance ? Vous semblez partager les valeurs de la tribu Myriade. Une vision optimiste de la vie vous unit, du moins pour l'instant. Cela dit, le fossile insiste sur le fait que résoudre le conflit tribal ne vous avancera à rien si vous ne tenez pas également tête au mange-monde. Voilà qui n'augure rien de bon. Les mauvais pressentiments du fossile sont justifiés. Quelqu'un doit s'occuper de ce gigapouf. Il dit qu'il est temps d'affronter le gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Gizmo essaie de renforcer son mecton afin qu'il puisse survivre au manque d'oxygène dans la zone morte et atteindre le mange-monde. Le fossile dit que vous devriez vous rendre sur place et faire ce que vous pouvez pour lui. Niveau 6 déjà.
Ah oui, c'est là. Ok, deux. Débloqué ça normalement. Ah ouais, c'est comme un bourrin, c'est sympa. Ok. Ils ont juste ramassé le truc. Vous conseille d'abandonner et de laisser le monde se consumer. A du pain sur la planche, donc pas de soucis. Je débloque un truc d'arme, une arme de base. Puis j'ai des outils et tout, mais je peux pas faire. Dis que pour avoir une chance de survivre, vous devez devenir plus fort. À quoi bon se muscler quand on sait qu'on va tous mourir? Plus vous êtes fort, plus vous résisterez longtemps. Dis que c'est des trucs lourds qu'on soulève plein de fois pour s'entraîner à soulever d'autres trucs lourds plus tard. Dis avoir aperçu des haltéroflingues. Ça pourrait vous être utile. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est les trouver et les soulever pendant des heures. Rien de tel qu'un peu d'exercice pour retrouver la forme. Dis que vous êtes encore mieux qu'avant. Sortir les acteurs. Au crépuscule, on passe plus facilement inaperçu.
avis, je vais pouvoir construire des trucs avec les doigts. Ça va pas d'avoir des objets. Moi, j'ai trop un bonnet. Moi, j'ai trouvé un bonnet. Fabriqué. Oh. Ah oui, c'est là. Où il est mon truc. Ah d'accord, ok. Là je peux. T'as vu, je peux rajouter un truc là. Ça. Là. Un petit cube. Ouais, j'ai rajouté un truc. Non, j'ai juste de l'avoir le truc. Dans le coffre, t'as eu. Assez pour fabriquer. Il manque des trucs en fait. Okay. Il manque des matériaux. Ah, je peux fabriquer une nouvelle arme. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Non mais je crois que j'ai pas assez de matériaux, regarde en bas. En fait j'ai pas assez de matériaux pour faire des armes. Il me faudrait du bois ou des trucs comme ça. Ah, j'ai un pantalon.
Non, mais faut que je sois niveau 8. Ok. Ok. Il n'est pas l'heure de dormir. J'avais le pantalon. Se plaint qu'en plus de la fin du monde, il y a encore des créatures qui viennent lui compliquer la vie. Une créature. Ce serait super top si vous pouviez convaincre le Brock de les laisser tranquilles. Pense que le Brock pourrait tuer son acolyte sans même le faire exprès. Du coup, oui. Dis qu'on ne peut pas rater le Brock. Continuez à chercher. Si vous ne trouvez pas le Brock, cherchez son camarade qui ne doit pas être loin. Le Brock le rend la vie dure. Il faut l'arrêter. Vous remercie d'avoir pris la bonne décision. Je peux pas le mettre parce que je suis pas assez. Et que pas me aider. Dis que la boutique en a pour tous les goûts et surtout les vôtres. Et que pas me aider. Vous assure que vous ne trouverez pas de meilleure offre ailleurs. Type de marchand. Chaque marchand est exploité d'un type d'objet. Ah, je peux lui vendre des trucs. Type de base. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai une compris. Pas mal, pas mal. Fader senere tiner mig i savler ved kødle billenes. Hvad siger du, Wanutai? On parle d'un renin qui aurait rejoint la tribu. Ça doit... Voyons voir.
Et donc là, j'ai ma quête qui est ici. Et Gizmo, il doit se trouver par là-bas. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc c'est dans la suite. Ça n'arrive pas tout le monde.